et vous avez eu l'opportunité de gagner quand même. Comment vous avez vécu le match? On est déçu un peu, déçu parce que à 10, ils ont été à très rapidement, on doit faire mieux que ça. On doit créer le match, on doit savoir contrôler le match. Et ce qu'on n'a pas réussi à faire, on jouait un match sur des coups, on va partir dans tous les sens, on n'a pas réussi à contrôler le match. Donc, ouais, déçu un peu, on aurait dû faire mieux, même si on avait les occasions, eux aussi ils les ont eu, ils auraient pu tuer le match. Donc, faut apprendre de ce match et revenir pour les prochaines dates. Vous avez été un guerrier au milieu de terrain, surtout lors de la seconde période, vous avez contribué par rapport aux passes qui ont été faits et surtout lors du but. Donc, qu'est-ce que vous retenez de ce match? Individuellement? Non, c'est plutôt, ça a été comme vous avez dit, un match de... Où il fallait quand ils étaient à 10, ils ont marqué, c'est pas normal, ils ont récupéré encore. Il fallait revenir, il fallait garder la tête sur le terrain et rester concentré pour revenir. Après, individuellement, on peut se parler collectivement. Parce que, C'était encore plus difficile à 10. En fait, le souci, c'est que quand ils sont à 10, ils se mettent à leur niveau un peu. Quand ils sont à 10, on se met à leur niveau un peu. C'est ça qu'il ne faut pas qu'on fasse. On doit rester concentré, être conscient qu'on est plus qu'eux et contrôler le jeu, comme j'ai dit avant. Et ce qu'on a su faire sur des à-coups, mais pas tout le match. On doit contrôler plus le match. طازج يتمنى حظ موفق للمنتخب الوطني. هذا الفيديو برعاية بيت بايت. تغطية مباراة الجزائر مصر الودية برعاية بلاط. أوراس يتمنى حظ موفق للمنتخب الوطني. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.